Ce qu'on peut dire, pour commencer, le titre, bien sûr, quel défi énergétique pour la mobilité, c'est qu'au fond, la sobriété énergétique n'aurait pas de sens si elle n'était pas très liée à l'évolution humaine, engendrant de ce fait le réchauffement climatique et toutes les contraintes et les risques que celui-ci représente pour notre avenir au sens large. Il y a le dernier rapport du GIEC qui a d'ailleurs fait entendre des choses importantes. Je vous lis d'un trait cette phrase. La fenêtre d'opportunité pour garantir un avenir vivable se referme rapidement. Nous ne pouvons plus nous permettre de retarder plus longtemps la transition vers des énergies renouvelables et la réduction drastique des énergies fossiles. Bon, évidemment, on peut relativiser. Il y avait ce matin Jacques Trenner qui faisait d'ailleurs une conférence à ce sujet et qui disait que malgré tout, les chiffres du GIEC doivent être tout de même relativisés un peu. Ceci dit, il ne prétendait pas qu'il fallait les ignorer. Ce qu'on peut encore dire sur notre façon de fonctionner, notre façon de vivre, c'est que, par exemple, l'enquête décennale sur la mobilité des personnes réalisée la dernière en 2019 par le SDES et l'INSEE, elle constitue un panorama complet de la façon dont les Français se déplacent. L'analyse des résultats montre qu'en 2019, les Français réalisent en moyenne 3 déplacements dans un rayon de 80 km autour de leur domicile par jour en semaine. Ils consacrent en moyenne 1 heure à se déplacer, soit 6 minutes de plus qu'en 2008. Si la voiture est moins utilisée, elle reste le premier mode de transport et représente 63% des déplacements. Dans les espaces hors unité urbaine, elle est encore utilisée pour 4 déplacements sur 5, mais son usage baisse dans les plus grandes unités urbaines. Il est un fait que quand on se promène à Paris, on est toujours surpris par le volume énorme de bicyclettes qui passent dans tous les sens, sans oublier d'autres engins moteurs, d'autres engins, trottinettes et autres, pas à moteur. Par rapport aux hommes, les femmes prennent moins la voiture et plus souvent les transports en commun. Vous êtes plus sages que nous, mesdames. Donc, les transports sont et resteront pour nos contemporains et pour leurs successeurs une nécessité vitale. On va donc échanger, réfléchir sur ce sujet des transports avec un panel de spécialistes distingués et variés. Et on va donc vous demander de vous présenter, et comme le veut la galanterie française, honneur aux dames. Je vous remercie. Bonjour à tous. Donc, je suis Laurence Céleste Mariani. Je suis commandant de bord sur Boeing 787 chez Air France. Je travaille chez Air France depuis 26 ans comme pilote de ligne. Et avant, je faisais de l'aviation légère. J'ai une formation d'ingénieur en mécanique et aérotechnique. J'ai une position... J'écoutais attentivement ce que vous disiez. Et moi, j'ai une position d'observatrice, hein, quand même privilégiée, parce que j'arpente le monde depuis des dizaines d'années. Et donc la mobilité, ça ne se réduit pas seulement à mon trajet pour aller travailler, mais aussi je vois tous les passagers que je transporte et je suis toujours impressionnée par leur périple. Et je pense qu'il faut dire que ce n'est pas seulement des touristes qui vont voyager, qui vont passer leur loisir au bord d'une plage de sable fin, mais énormément de personnes qui travaillent, qui échangent, qui vont voir leur famille. Et par exemple, donc moi je reviens toujours sur Paris puisque c'est ma base. Et à peu près la moitié à chaque fois des passagers de mon avion continuent en correspondance vers une autre destination. Et ce que j'observe aussi, c'est que ce trafic augmente. Il y a de plus en plus de personnes de tous âges, tous milieux sociaux qui voyagent. Et donc quelque part, effectivement, on voit bien que c'est un mouvement qui a l'air inéluctable et qui correspond aussi à la mondialisation et aux échanges économiques, et pas que économiques d'ailleurs, intellectuels aussi.
entre les peuples. Voilà, donc déjà, quelque part, c'est effectivement cet élan qu'on doit avoir. Ensuite, vous parliez de points, de moments où il fallait prendre conscience qu'il faut faire quelque chose. Et pour moi, qui travaille donc depuis plus de 20 ans dans les transports aériens, ce mouvement a déjà commencé, a déjà été amorcé. Bien, je pense qu'on va peut-être en parler de façon plus approfondie durant le débat que nous entamons maintenant. Vous pouvez peut-être passer le micro à Rémi. Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, je suis Rémi Bastien. Moi, j'ai fait une très longue carrière dans l'automobile, puisque j'ai passé un peu moins de 40 ans chez le constructeur Renault. Mes derniers postes ayant été directeur de la recherche et de l'innovation et puis directeur de la prospective. Alors, là, l'automobile est en général le mouton noir qui est systématiquement cité par rapport à l'environnement. Mais il est clair que son usage, qui est très très démocratisé, fait que c'est un contributeur important. Donc il y a eu aussi beaucoup de progrès qui ont été faits. Il n'en reste pas moins qu'il y a encore beaucoup à faire pour arriver à cette neutralité carbone. Donc on en reparlera un petit peu après. Pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, j'ai un de mes collègues qui faisait observer que la mobilité n'est pas la conséquence de la prospérité. C'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est bien la mobilité qui entraîne la prospérité. La circulation des personnes et des biens, c'est ça qui a finalement fait tout ce développement que l'on a. Donc la question qu'on a maintenant, c'est comment préserver ou conserver cette production de prospérité tout en ayant beaucoup, beaucoup moins d'impact sur notre planète, puisqu'on n'a qu'une planète, planète A, il n'y a pas de planète B. Hein, donc c'est, je pense, qu'on abordera un peu ce soir. Et effectivement, il y aura probablement une combinaison de deux facteurs à mener. Un sur quelles sont les percées technologiques que l'on peut utiliser pour ça, et puis également quels sont les changements de comportement, d'usage, de termes sobriété, qu'il faudra adopter aussi pour conserver cette capacité à se mouvoir. Merci, bonjour à tous. Mon nom est Nicolas Castres-Saint-Martin et je suis depuis un mois jeune retraité d'Alstom, entreprise au sein de laquelle j'ai passé 40 ans, essentiellement dans des fonctions techniques, engineering, recherche et développement, innovation, management et développement de projets, développement de l'expertise technique. Et je dois dire qu'en 40 ans d'Alstom, alors toujours au service du ferroviaire, parce qu'Alstom n'a pas fait que du ferroviaire, mais moi j'ai toujours été dans le ferroviaire, et actuellement Alstom n'est plus que ferroviaire. Je dois dire qu'en 40 ans, j'ai vu les problématiques techniques sur le matériel roulant évoluer énormément, sur les systèmes aussi, mais beaucoup sur le matériel roulant, et notamment sur le plan de l'énergie, puisque quand j'ai commencé ma carrière chez Alstom dans le ferroviaire, avec par exemple le développement du TGV Atlantique, la consommation d'énergie n'était pas vraiment un sujet. Et maintenant, c'est un sujet extrêmement sensible. Tous les grands clients qui achètent des trains sont très sensibles aux problèmes de consommation d'énergie. Et de plus en plus, quand un appel d'offres est ouvert, la consommation d'énergie est un critère d'obtention du contrat qui est de plus en plus important. Et ça, c'est vraiment très nouveau. Et même si le ferroviaire n'est pas quand même le plus mauvais des moyens de transport en matière de sobriété énergétique, il faut rappeler quand même qu'un métro, ça consomme en gros quelques watt-heures par passager kilomètre. Et un train régional ou de grande vitesse, c'est quelques dizaines de watt-heures par passager kilomètre. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas développer des solutions de sobriété énergétique. Et je peux vous dire que nos trains, en 10, 20, 30 ans,
ont drastiquement diminué leur consommation d'énergie, et il y a encore beaucoup de potentiel en utilisant tout un tas de technologies dont j'espère qu'on aura l'occasion de parler plus tard. Bien, ben, on peut peut-être continuer cet échange tout à fait intéressant sur le secteur aéronautique, donc par rapport au fonctionnement de l'avion actuel, par rapport à ce que c'était il y a 10 ou 15 ans, ça a dû déjà beaucoup bouger. Oui, alors je peux enchaîner sur la consommation du Boeing 787, en l'occurrence l'avion sur lequel je travaille. La consommation à peu près moyenne est de 2 litres au 100 km par passager. Alors c'est sûr qu'on fait beaucoup de centaines de kilomètres, hein. Mais je pense que ça s'inscrit vraiment dans un transport collectif. Voilà. Et c'est le dernier né de Boeing, hein, qui rassemble toutes les meilleures innovations technologiques en termes d'aérodynamique, de légèreté de l'appareil et de rendement des réacteurs. L'Airbus A350, pareil, qui devient le fleuron de la flotte pour Air France, à peu près les mêmes performances. Et c'est à ramener aux avions d'une génération précédente, par exemple le Boeing 777, qui consomme bien 30% de plus. Donc on est déjà avec les nouveaux réacteurs dans une amélioration. Et justement, c'est le coût des énergies fossiles et du kérosène, en l'occurrence, qui a imposé cette progression. Si on sait bien que le poids pour voler, c'est l'ennemi. Quelle est l'évolution du poids d'un 777 par rapport au dernier lait, le 787? Alors le poids, en fait, ça va être... alors effectivement, les réacteurs vont être dimensionnés en fonction d'une charge offerte, hein, on va dire. Par exemple, le 787, nous, on va décoller à pleine masse, alors, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais à 250 tonnes. Hein. Et on emporte 53 tonnes de charge. Un 777 va emporter un peu plus de charge, mais avec une masse à peu près 25% supérieure. Voilà. Et donc, d'où la consommation. D'accord. Bon, au-delà de ça, quelle est votre perception des solutions d'avenir pour le transport aérien au-delà de... Du dernier né. Et oui, alors ça devient en fait un impératif pour la survie aussi de notre profession et de notre activité. Parce que alors, Rémi Bastien disait que la route était un peu le mouton noir, mais on voit que dans les pays scandinaves, en fait, c'est l'avion qui est vraiment ciblé, avec la honte de prendre l'avion. Et les Scandinaves, il y a un mouvement de réduction drastique de l'avion qui représente en fait 3,8% un peu moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre, hein, si on remet en proportion. Hein. Donc c'est déjà ça, hein, bien sûr. Donc les innovations, ça va être les réacteurs avec un meilleur rendement, voilà, pour consommer moins. Changer de carburant, les carburants, ce qu'on appelle les carburants durables, faits à partir essentiellement de biomasse recyclée, des huiles recyclées par exemple. Ce qu'on appelle l'écopilotage, c'est des trajectoires en lien avec le contrôle aérien pour optimiser, pour couper, hein, pour plus faire des grandes trajectoires sur des gros aéroports comme Roissy, avec des forts trafics où on en arrive à faire des détours en fait. Et puis la chasse au gaspille, bien sûr, sur tout ce qui est embarqué pour réduire ce poids de l'avion. Donc emporter que les plateaux repas nécessaires, que la quantité d'eau nécessaire, voilà, tout recyclé. Vous m'avez confié un petit détail tout à l'heure que je n'ai pas oublié. C'est vrai qu'on crie haro sur l'avion, mais vous m'avez parlé des haricots verts que vous avez transportés cette semaine. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Voilà, parce qu'effectivement, ça peut choquer quelqu'un qui est concerné par l'environnement et qui va commencer par consommer
des produits fabriqués, produits près de chez lui pour limiter l'empreinte carbone. Et donc moi je disais que je suis rentrée de Nairobi, chaque fois que je rentre du Kenya, j'ai mes soutes pleines de haricots verts, quand je rentre de Bogota, c'est des avocats, et etc. Et pour ces populations, c'est important parce que ils commercent, c'est leur façon de vivre aussi, d'exporter leurs produits. Donc la vision qu'on peut avoir suivant l'endroit où on est totalement différente. Et ce sont des pays qui ont besoin, on a tous besoin d'ailleurs de commercer. Et je me souviens, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, j'étais sidérée par mes retours d'Asie où on avait nos soutes pleines d'écrans plats et de textiles. Donc je voyais bien de quel côté penchait la balance commerciale. Et pourtant, tous les Français achetaient, se ruaient sur des produits asiatiques à bas coût. Donc la réflexion, effectivement, est là, c'est à qui profite le crime aussi. Hein. Donc ces échanges sont nécessaires aussi à d'autres parties de la population. Bien. Je pense qu'on continuera au fur et à mesure cet échange. Sur le secteur du monde ferroviaire, ça intéresse les gens, y compris les plus modestes. La question qu'on se pose parfois, c'est comment répondre à leurs besoins. Si on tient compte du fait qu'ils s'installent souvent loin des centres-villes maintenant, pour pouvoir parvenir à des logements moins chers. Ah, il y a eu toute une théorie, c'est plus qu'une théorie, il y a eu toute une étude très sérieuse d'un géographe qui s'appelle, je crois, Christophe Guilluy, qui a établi que les gens allaient loin pour pouvoir se loger. Et ça a engendré, d'ailleurs, quand l'énergie a atteint des sommets élevés, la crise des gilets jaunes. Il y en aura peut-être d'autres. Comment peut-on faire au niveau du monde ferroviaire, par exemple, pour répondre à ça ? C'est vrai que maintenant, évidemment, beaucoup de gens habitent de plus en plus loin des centres dans lesquels ils travaillent. Ce qui est sûr, c'est que c'est un problème difficile parce qu'on ne peut pas non plus avoir un terminal de transport collectif ou une gare près de chaque personne. Ce qu'on constate quand même, c'est que, en tout cas en région parisienne, il y a eu pas mal d'efforts faits sur les transports en commun, sur le RER, sur le métro, d'amélioration de performance. Ce qui est sûr, c'est que dans des régions plus rurales, c'est encore un problème aigu. Et c'est d'ailleurs l'une des préoccupations fortes de la filière ferroviaire en ce moment, avec le développement des petites lignes, comme vous devez sans doute le savoir. Donc l'idée, c'est de ressusciter quelques lignes qui ont été abandonnées, ça s'appelle aussi les lignes capillaires, et avec des trains légers, pas trop chers, si possible autonomes en termes d'énergie, parce que généralement ce sont des lignes qui ne sont pas électrifiées, et on ne va pas les électrifier, ça coûterait beaucoup trop cher. Il faut savoir que l'électrification d'une ligne, c'est plusieurs millions d'euros par kilomètre. Et donc l'idée, c'est pas non plus de remettre du diesel, bien sûr, et donc l'idée, c'est d'y mettre des trains soit sur batterie, soit à hydrogène. D'accord. Ce dont vous parliez, quand je dis vous, c'est pas vous en particulier, mais ce dont vous parliez chez Alstom, comme par exemple le tram-train, ça fait partie de cette stratégie ? Le tram-train peut faire partie de cette stratégie. Actuellement, il y a plusieurs projets sur des lignes, notamment dans le sud-ouest de la France. C'est soit le tram-train, soit des trains Régiolis, qui sont des trains qui circulent déjà dans pas mal de régions françaises, dont l'idée est de les alléger et de les transformer aussi en hydrogène, même s'il y a déjà des Régiolis hydrogène qui sont commandés. Mais l'idée, c'est d'avoir des trains plus légers. Mais ça pose aussi un problème, c'est qu'il faut sans doute revoir aussi un peu les normes des grandes lignes, parce que c'est quand même des lignes qui appartiendraient au RFN, au réseau ferré national, et sur lesquelles s'appliquent les normes ferroviaires classiques. Et si on veut avoir des trains qui soient pas trop chers à maintenir, si on veut avoir des infrastructures non plus pas trop chères à maintenir, donc des trains légers,
il faut qu'ils puissent quand même répondre à ces normes, ou alors il faut faire évoluer les normes. Et c'est tout un débat qui a lieu en ce moment. Je voudrais juste rebondir sur la masse, parce que tout à l'heure on a parlé de la masse. Dans le ferroviaire, on se battait moins pour la masse que maintenant, parce que maintenant on se bat pour la masse pour deux raisons. D'abord, la grande vitesse nécessite d'avoir des masses par essieu pas trop importantes pour ne pas être trop agressives sur les voies. Et ça, c'est un critère qui est de plus en plus important pour ménager les voies. Et puis, l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que si vous gagnez 10% sur la masse d'un train, si c'est un métro ou un train RER, vous gagnez 8% sur la consommation d'énergie. Si c'est un train grande ligne, vous gagnez 5% sur la consommation d'énergie. À grande vitesse, on gagne moins, parce qu'à grande vitesse, ce qui compte, c'est plus la résistance à l'avancement. Mais donc, tout ça pour dire que la masse est quelque chose sur lequel on se bat dans le ferroviaire. Et c'est pas toujours facile, parce que les exigences de confort, généralement, vont pas dans le sens de l'allègement. Et donc actuellement, on a pas mal de R&D en cours sur des matériaux légers comme le composite, mais on n'est jamais arrivé jusqu'à présent à installer le composite structurel de manière suffisamment rentable. Et là, je pense qu'on a des leçons à prendre de l'aéronautique. On pourra peut-être demander à Rémi, au-delà de cela, comment dans tout ça... Comment est la voiture d'aujourd'hui, et surtout comment sera la voiture de demain? Oui, alors, je veux peut-être juste à ce stade de la discussion, c'est peut-être aussi, puisqu'on est sur plusieurs modes de mobilité, peut-être intéressant de rappeler quelques ordres de grandeur de l'ensemble. Donc si on regarde au niveau monde, la contribution au gaz à effet de serre de l'ensemble des transports, donc mobilité, c'est au niveau monde 14%. La production d'électricité, c'est une trentaine de pourcents, en grande partie parce qu'elle est beaucoup produite à partir du charbon. Et dans le transport, donc l'automobile individuelle, c'est 6%, le transport routier par camion, c'est à peu près 4%, le maritime, c'est 2%, l'aviation, c'est 2% aussi, hein. Sachant que les deux derniers sont en forte croissance, donc de l'ordre de 5 à 6% par an. La voiture particulière, elle commence à arriver sur un plateau. Et le ferroviaire est très vertueux, puisqu'il est vraiment très très inférieur au pourcent. Donc ça, c'est quand même important d'avoir ça en tête. Donc l'électrification fait partie des grandes stratégies pour décarboner. Alors là, du coup, la condition pour ça, c'est que la production d'électricité, elle, soit décarbonée. Et donc, quoi qu'il en soit, les derniers kilomètres, il y aura toujours d'un voyage par chemin de fer ou par avion, il y aura quand même toujours à un moment donné l'usage de la voiture. Oui, alors la voiture particulière, donc, elle s'est beaucoup démocratisée, ce qui fait que dans des pays comme la France, on a un taux de motorisation par foyer qui est de 70 à 80%, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et disons dans les années 60, une voiture était beaucoup plus partagée. Le taux d'occupation d'une voiture aujourd'hui dans nos pays, c'est descendu à 1,2, alors qu'on était au-delà de 1,6 dans les années 60. Pour les trajets de type quotidien, domicile, travail, on est très proche de 1. C'est ce qu'on appelle l'autosolisme. Donc là, vous voyez qu'il y a un potentiel d'optimisation. Un avion, je sais que vous optimisez à fond le remplissage de l'avion. Les trains, c'est pareil. La voiture particulière, c'est un particulier qui l'a. À l'inverse, quand c'est pour les loisirs, là, le taux d'occupation est plutôt élevé, puisqu'on va emmener sa famille ou des amis. Hein. Donc il y a un potentiel pour que ces objets soient mieux utilisés. Donc il y a, ce qui a été évoqué, ne les utiliser que quand il n'y a pas une meilleure alternative. Les transports en commun en sont une, ou des fois ne pas se déplacer. Hein. Le télétravail est une façon aussi de faire son activité sans forcément se déplacer. Le taux d'occupation en est un.
Vous avez cité l'éco-conduite, l'éco-pilotage. Et bien sur la voiture, il y a aussi ce potentiel-là. Et puis reste les carburants ou l'énergie qu'on utilise. Donc en fait, en jouant sur tous ces leviers, il y a un potentiel pour utiliser beaucoup moins d'énergie fossile. Et je fais partie de ceux qui sont convaincus qu'il ne faut pas considérer qu'il y a une baguette magique qui va tout résoudre, mais qu'il faut accepter de jouer sur chacun de ces leviers. On parle beaucoup maintenant, avec les outils, les applications informatiques les plus récentes, de solutions d'autopartage vraiment très innovantes et qui garantissent des taux de remplissage qu'on n'avait jamais réussi à atteindre jusqu'à présent. Alors il y a une start-up qui commence à avoir du succès, qui s'appelle Ecov, qui fait le covoiturage quotidien. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la voiture particulière, 60% des émissions de CO2 viennent des trajets longs du quotidien. Donc on parlait des gilets jaunes. Les gens qui sont en périurbain ou à la campagne, on peut toujours les inciter à ne pas prendre leur voiture. Si on ne leur donne pas d'alternative, ils n'ont pas le choix, ils vont le faire. Donc le court voiturage peut être une solution. Donc c'est quand un territoire est peu dense, mettre une ligne de bus ou encore mieux de tramway n'a pas de sens parce qu'il n'y a pas assez de voyageurs. Là, par contre, le partage de la voiture est intéressant. Donc Ecov a ils font des lignes de covoiturage. Il y en a une qui est en exploitation maintenant depuis 3-4 ans entre Bourgoin-Jallieu et la zone d'activité autour de Lyon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, ils ont des lignes de covoiturage, donc avec des arrêts, comme des arrêts de bus, où le covoituré va non pas planifier son trajet, mais va par son smartphone dire « je vais à tel endroit ». Le covoitureur a un panneau qui s'affiche et qui lui dit « un passager pour telle ville ». Donc si c'est là où il va s'arrêter. Si ce n'est pas le cas, il ne s'arrête pas. Et donc ils ont un temps d'attente de l'ordre de 3 minutes en moyenne. Parce qu'il y a assez de trafic, mais pas assez pour mettre des bus. Donc ça ce genre de solutions peuvent être utilisées quand on a un territoire qui n'est pas très dense et pour lesquels il y a quand même un flux important vers une zone d'activité. Ça c'est une meilleure façon. Disons, dans ce cas-là, la voiture particulière peut devenir un élément du transport collectif. C'est quand même agréable à entendre parce que la presse adore toujours parler des trains qui arrivent en retard, pardonne-moi Nicolas, mais on se rend compte que ce pays est quand même bouillonnant de démarches, d'approches, de recherche de solutions, et ça fait quand même, c'est quand même revigorant, et ça permet peut-être de reprendre un peu d'optimisme. Bon, voilà. Ok. Un peu comme ça, à la volée, il y a un sujet qui nous... Moi, ça me fait beaucoup réfléchir. Étant citoyen belge à l'origine, je vais régulièrement dans mon auguste peuplade rencontrer ma famille et mes amis. Et pour ce faire, je voyage sur l'autoroute A1, sur laquelle... Je rencontre des quantités de camions absolument gigantesques de tous les pays d'Europe possibles et imaginables. Et je ne vous parle pas de la semaine et de la fin de journée où ces braves gens cherchent désespérément des parkings dont on manque apparemment pour pouvoir garer leur bahut et ne pas faire plus d'heures de conduite que ce qu'il faut. Alors la question qu'on se pose par rapport à ça... On en parle depuis tellement longtemps, mais où en est-on par rapport au transport de fret ferroviaire ? J'avoue que je ne suis pas un grand spécialiste du fret ferroviaire, parce que chez Alstom, on ne fait pas de fret. Enfin, on ne livre pas, si ce n'est les locomotives, hein, on livre des locomotives, on fait des locomotives, mais on ne fait pas de matériel, ce qu'on appelle les navettes, enfin les porteurs de poids lourds. Bon. C'est vrai que moi j'ai été en poste à Valenciennes pendant 7-8 ans et je faisais très souvent le trajet sur l'autoroute A1 entre Valenciennes et Paris, et c'est impressionnant parce que c'est une file ininterrompue de poids lourds sur la voie de droite quand c'est pas sur la voie centrale. Alors
aujourd'hui, en effet, c'est vrai qu'en France, on est assez en retard, parce que je crois que le fret ferroviaire représente 9%, je crois, du fret complet. En Allemagne, c'est un peu plus. C'est pas non plus la gloire, mais je crois que c'est quand même plutôt voisin de 15 ou 20, donc c'est quand même nettement plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'avoue que je sais pas très bien. Je pense que aujourd'hui, il va falloir trouver des solutions de supply chain plus efficaces, une flexibilité supérieure. Visiblement, aujourd'hui, les gens qui organisent le transport de marchandises, ils butent sur des manques de performance des solutions de fret actuelles. Mais je ne sais pas très bien, j'avoue, je ne sais pas très bien dire ce qu'il faut faire pour que ce soit mieux. N'aviez-vous pas racheté chez Alstom la société LOR alsacienne qui avait un concept qui se voulait justement une réponse au système Modalor, si je me souviens bien? Oui, le système Modalor, alors je crois qu'il est plus ou moins en exploitation dans la vallée de la Maurienne, mais c'est quand même des systèmes quand même assez chers. Et on n'a pas racheté cette partie-là de Translore parce que ça correspondait pas bien aux activités, au corps activité d'Alstom. Voilà, mais je pense qu'en fait il faudrait réfléchir ça à l'échelle de l'Europe, quoi, parce que le fret, il est quand même pas uniquement national, il est transnational. Et d'ailleurs, on voit bien les couloirs qui sont extrêmement encombrés, c'est des couloirs qui desservent plusieurs pays. Absolument. Donc il faudrait avoir des solutions européennes. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les grands programmes de recherche européens, ferroviaires, et qui tendent justement à améliorer ce qu'on appelle le report modal, c'est-à-dire finalement le shift to rail, le fait qu'on passe d'un mode routier à un mode ferroviaire, n'est pas consacré, ces programmes ne sont pas consacrés qu'aux passagers, mais aussi aux fret. Et donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de thèmes de recherche et développement, comme le DAC, un Digital Automatic Coupling, qui sont subventionnés et donc managés au niveau d'un grand programme européen qui s'appelle Europe's Rail, qui est le successeur de Shift to Rail, et qui traite ça de façon extrêmement sérieuse. Le fret ferroviaire a besoin d'être pas mal modernisé si on veut qu'il devienne attractif, j'allais dire encore plus que le transport voyageur. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, c'est la pression économique? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sera bien obligé de, quand certains coûts deviendront, en particulier le coût des carburants, et c'est à partir de ce moment-là. Il y a aussi peut-être, sur cette question-là, l'endogandor que j'ai en tête, c'est que les maxicodes, hein, les 38 tonnes, 60% des trajets sont des trajets qui traversent la France, mais qui ne s'arrêtent pas forcément. Hein. Donc il y a beaucoup de production en Espagne, il y en a beaucoup qui peut être dans les pays de l'Est. Et en fait, la France est un carrefour. Hein. Après, ce que j'avais compris aussi avec les gens des transports, le réseau ferroviaire aujourd'hui n'est pas capacitaire par rapport à tout le trafic qu'il y a par la route. Et malheureusement, il n'est pas autant exploité qu'il pourrait l'être. Par contre, imaginez qu'on puisse remplacer totalement le transport routier par le ferroviaire. Là, par contre, il y a une marge pour mieux l'exploiter. Après, le transport routier, lui, il a aussi des potentiels. Alors, je le mentionnais hier. Là. Vous avez dû peut-être entendre parler de ça, le platooning. En fait, là, comme pour les trains, quand c'est des grandes distances, l'aérodynamique, la résistance aérodynamique est de premier ordre. Et en fait, quand vous avez un train de camion, à condition que la distance entre les deux camions soit suffisamment faible, hein, c'est, il faut que ce soit inférieur à 2-3 mètres pour qu'on puisse bénéficier de la traînée, de pas avoir une traînée supplémentaire. Donc ça suppose une communication redondante entre le camion menant et le camion mené. Mais ça, il n'y a pas mal d'expérimentations qui sont montées. Et dans ce cas-là, le camion numéro 2, 3, 4 ou 5
a une résistance à l'avancement qui est 3 à 4 fois plus faible que s'il était tout seul. Donc, ça a été testé en Allemagne, ça, déjà, non ? Pardon ? Ça a été testé en Allemagne, peut-être ? Oui, alors, il y a des grands constructeurs comme Volvo, Daimler, etc., ou Scania, qui sont sur ces programmes-là. Bon, il y a des pistes. On peut peut-être repartir un peu, soit sur les trains ou sur ceux qui volent, parce qu'au fond, ce qu'on constate, moi, je l'ai vécu, c'est que l'auto, le train, l'avion sont très interdépendants les uns des autres et ne vont pas les uns sans les autres, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Alors, moi, je verrais plutôt les choix politiques qui ont été faits en France de limiter les lignes aériennes en fonction de la durée quand il n'y a pas de... et de les maintenir quand il n'y a pas d'alternative de train. Donc ça a obligé, ça force un petit peu les usagers à prendre le train pour des durées d'1h30 de trajet. Donc ça, c'est, on va dire que ça ne permet pas, c'est pas une libre concurrence, c'est pas une libre circulation, un libre choix, disons, des usagers, puisqu'on les incite à prendre le train. Et donc, il y a beaucoup de lignes nationales qui ont été supprimées parce qu'elles ont été jugées trop polluantes par rapport au train. D'accord. C'est une décision de la puissance publique qui est fondée sur ce qui est estimé être l'intérêt général, finalement, je suppose. Voilà. Alors, les usagers, qu'en pensent les usagers ? En fait, c'est ça qui serait intéressant. Voilà. Donc là, on se retrouve face à un petit conflit entre écologie et la demande. Puisque là, on a supprimé en fait une option qui avait des avantages en termes de rapidité de circulation et qui pouvait convenir à une partie des usagers. Voilà. Puisqu'on a vu quand la Première ministre a voulu faire un déplacement, a fait un déplacement en avion d'ailleurs, parce qu'elle devait se rendre en province très rapidement, ça a été un peu le tollé, je ne sais pas si vous en souvenez, parce qu'on considérait qu'elle dilapidait, puis qu'elle montait pas, elle n'était pas exemplaire. Donc on voit que, je pense qu'on ne peut pas être aussi tranché et opposé, là en l'occurrence les moyens de transport ne sont pas complémentaires, vont être un petit peu mis en concurrence. Oui, mais en même temps... quand on vient de province via le TGV pour aller prendre un avion à Roissy, c'est quand même relativement harmonieux comme façon de compléter les choses. Alors je pense que ça dépend peut-être de quelle province. Voilà. Et donc là on en revient, c'est un peu le... On en revient à justement comment est desservie la France, là en l'occurrence. Est-ce que l'usager qui habite... qui habite en Ardèche, qui habite en Auvergne ou à certains endroits de la Bretagne, a-t-il autant de facilité à rejoindre Paris, puisque tout est quand même encore très centralisé ? Oui, voilà. Même donc, si heureusement il y a certains hubs en province, heureusement, oui. Mais pas autant qu'il n'en faudrait. Vous aviez quelque chose à dire là-dessus, Nicolas ? Non, pas spécialement, non. Mais moi, je pense que plus les aéroports sont loin des villes, et plus ça peut se comprendre que finalement, même du point de vue de la demande, les gens préfèrent prendre le train, parce que peut-être que la gare, elle est quand même plus proche du centre-ville que ne l'est l'aéroport. Et donc... c'est vrai que si on compare les temps porte à porte, ça peut être intéressant de prendre le train pour Paris-Marseille, par exemple, hein, ou pour Paris-Toulouse. À Paris-Marseille, c'est mieux parce qu'on l'a à grande vitesse, Paris-Toulouse, pas encore. J'espère bientôt on l'aura par Bordeaux. Et puis pour Bordeaux, par exemple, à Paris-Bordeaux, pour moi, il n'y a pas photo parce que vous êtes en moins de 2 heures de gare à gare. Hein, donc c'est quand même assez. Et de ce point de vue-là, je pense que les TGV font pas mal de progrès. Les TGV maintenant roulent à 320 km/h hein, entre Tours et Bordeaux.
Il y a d'énormes progrès qui sont déjà faits et encore à faire sur la signalisation grande vitesse pour pouvoir augmenter la capacité des lignes. Aujourd'hui, on est à 16 TGV par heure et par sens. On était à 12 il n'y a pas encore si longtemps, 12-13, donc on a gagné à peu près 20%. Mais il y a encore des futures générations du système ERTMS, qui est le système européen de management et de contrôle du trafic ferroviaire, qui doivent permettre de progresser encore. Aujourd'hui, quand on dit 16 trains à l'heure, ça veut dire que vous avez en gros 18 km entre deux trains, alors que la distance de freinage d'un TGV en urgence, c'est 3,5 km. Donc on peut se dire, c'est quand même bizarre qu'il faille une telle marge entre 18 et 3. Alors le raisonnement est un peu simpliste parce qu'il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte, bien sûr. Les techniques de signalisation maintenant qui vont utiliser dans la troisième génération de l'ERTMS les systèmes de canton mobile déformable qu'on a déjà dans les métros mais qu'on n'a pas encore dans la grande vitesse vont permettre d'améliorer encore la capacité de ces trains. Et ça permettra d'ailleurs de rendre plus faisable la concurrence. Et ça permettra aussi d'avoir beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus d'offres de transport, beaucoup moins d'attente entre deux trains. Donc il y a encore pas mal de progrès qui sont devant nous et qui font que, au moins pour les grandes lignes, alors ça ne répond pas évidemment au last mile, mais au moins pour les grandes lignes, je pense que le ferroviaire a encore de beaux jours devant lui et a moyen de concurrencer, entre guillemets, les trajets à avion un peu courts. Oui, c'est un fait que, à titre personnel, dans le cadre de mes activités, j'ai essayé une fois de faire un Paris-Toulouse. Je ne l'ai fait qu'une fois parce que... Paris-Toulouse en train, oui. Paris-Toulouse jusqu'à Bordeaux, c'est magnifique. Après c'est un peu long. C'est une autre affaire. Et puis, il y a eu plusieurs fois des projets de trains pendulaires entre Paris et Toulouse, mais par la voie directe, qu'on appelle le POLT, P-O-L-T, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Et ça a été un peu l'Arlésienne. On a travaillé, nous, chez Alstom, plusieurs fois en 20 ou 30 ans sur différents projets sur ce type de train. Et puis finalement, l'investissement était trop lourd et le jeu n'en valait pas la chandelle puisqu'on gagnait une demi-heure sur un trajet de 5-6 heures en faisant du pendulaire. Ou alors il aurait fallu complètement encore revoir la voie pour l'améliorer de façon à pouvoir augmenter la vitesse dans plus de courbes. Donc voilà, c'est vrai qu'une fois qu'on aura la voie rapide Bordeaux-Toulouse, le Paris-Toulouse à grande vitesse, ça sera beaucoup mieux. Même les ingénieurs d'Airbus viendront à Paris en train. Ça serait... pourquoi pas. Bien, on pourrait continuer un peu sur l'efficience énergétique et parler à nouveau de l'avion. Par rapport à ce que vous connaissez, ce que vous percevez, ce que vous savez, le paysage qui se dessine pour l'aéronautique, quel est-il à moyen, voire long terme ? Donc déjà, il est à l'expansion, puisque le trafic est prévu de quasiment quintupler encore dans les dizaines d'années à venir. Donc effectivement, ça interpelle, puisque c'est quand même cette prise de conscience de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc la question qu'on peut se poser, c'est avec tous les efforts qu'on fait de décarbonation, est-ce que ça suffira à contrer cette augmentation mécanique du transport aérien ? Ce qui veut dire que pour la survie donc, de la filière, tous les acteurs planche sur des solutions. D'accord. Voilà. Et donc, par exemple, Boeing est en train de travailler sur un modèle d'avion à grande envergure, voilà, pour diminuer la consommation carburant. D'accord. Par exemple. Il est un fait que si on se met à la place, si on pouvait se mettre à la place de Orville et Wilbur Wright, à l'époque où ils ont fait leur premier saut de puce,
Et si quelqu'un leur avait dit, les amis, dans 70 ans ou de 75 ans, on traversera la planète de façon infiniment confortable, enfin ça dépend pour qui et de la dimension, de la taille du passager. Moi, je ne suis pas toujours très confortable en avion. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, ils ne l'auraient certainement pas cru. Et donc, tout ça pour dire que probablement, des progressions sont encore à attendre et relativement... enfin, oui, c'est pas du rêve. Non, c'est pas du rêve, puisque déjà quelque chose est déjà des actions sont actées, avec des engagements pris à l'horizon 2030 et 2050, hein, réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 et 100% à 2050. Donc des actions sont déjà entreprises. Effectivement, est-ce que les innovations vont suffire? Bon, il y a plusieurs leviers. Hein. La modernisation des flottes, ça rentre pour l'instant à hauteur de 10% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est prévu pour arriver jusqu'à hauteur de 45-50%. Ensuite, les biocarburants, ça devrait permettre d'arriver à 80-90% de réduction. Et ce qu'on appelle éco-pilotage, donc la gestion des trajectoires, une nouvelle façon de réduire nos emports de carburant, profiter de justement des innovations apportées par la data, qui nous permettent d'optimiser, nous, notre emport de carburant en tant que pilote. C'est-à-dire que moi, j'ai connu, quand j'ai débuté, ben, on faisait Paris-Marseille, et le commandant de bord disait... Ben, moi, Paris-Marseille, c'est 6 tonnes. Et maintenant, on ne raisonne pas comme ça. On a notre carburant réglementaire. Et ensuite, on affine, on prend une petite marge en conscience, en fonction des aléas qu'on est susceptible de rencontrer. Et si tout est prévu beau, sans aléas particuliers, on va prendre le minimum et on sait que ça va nous suffire. Voilà. On ne remplit plus, on ne fait pas le plein. Voilà. D'accord. Ce qui est un changement quand même de paradigme. Et juste au niveau des chiffres, 1% d'économie de carburant par an, ça permet d'économiser 45 000 tonnes chez Air France, hein, sur toute la flotte. Et une tonne de kérosène brûlé, en fait, ça dégage 3 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Hein. Voilà. Donc au niveau des... Ok, bon, donc on n'est pas arrivé au bout de nos étonnements par rapport à cette industrie assez passionnante. Des choses à dire, parce que moi j'ai vu, je connais un peu quelqu'un comme Jean Botti qui a passé sa carrière à faire des avions chez Airbus, dont il a été un des présidents, et puis prenant sa retraite, il a monté une start-up qui s'appelait Voltaero, et qui a mis en place des avions électriques qui, au niveau aéroclub, sont opérationnels désormais. Est-ce que du côté de ces objets, du côté de ces solutions-là, du côté éventuellement de l'hydrogène, on peut imaginer des choses? Oui, alors effectivement, pour les petits modules, là, ils sont en train de travailler justement sur un avion de transport de moins de 20 places. Et qui, pour des petits trajets, fonctionnerait avec une pile à combustible à hydrogène. Donc, effectivement, ça serait une solution écologique. Hein. Alors, sur un avion de ligne, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il y a le problème de l'autonomie. Alors, il y a le problème du transport, le problème de l'autonomie, la certification aussi. Donc, ça prendrait beaucoup de temps. Mais je pense que toutes les pistes sont utilisées... sont en tout cas pensées et étudiées pour une hybridation éventuelle. Et déjà, l'électrification a lieu sur tout ce qui est autour des avions, tout ce qui est aéroportuaire. Donc de plus en plus, les véhicules autour des avions sont électrifiés. Bien. Oui, je voulais juste rebondir là-dessus parce qu'on a eu l'occasion de beaucoup échanger avec Safran. Sur ces thématiques. Et Safran nous disait en effet que
pour les gros courriers, enfin pour les gros avions, l'électrique, les batteries, ça pèse. Les kilos, c'est l'ennemi de l'aéronautique. L'hydrogène, la pile à combustible, il faut des puissances qui ne sont pas encore, à mon avis, suffisamment matures. En revanche, il y a déjà, je crois, et vous en parliez tout à l'heure, dans l'aéronautique, les auxiliaires sont de plus en plus électriques. Hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et je crois aussi que Safran développe donc des éco-combustibles, donc les biofuels et tout ça, et ils pensent à l'hydrogène sous forme liquide tout en gardant l'aspect thermique. Mais le problème de l'hydrogène, c'est que ça a une densité 10 fois inférieure à celle du kérosène, et donc même liquide. Donc il faut arriver à trouver les volumes suffisants, et ça c'est un vrai problème. Donc si je reviens au ferroviaire, ce que je voulais dire, c'est que la caténaire électrique, c'est quand même imbattable au point, au sens où on apporte au train l'énergie électrique au-dessus de sa tête, il a qu'à lever son pantographe pour la capter, et c'est donc d'un point de vue rendement, d'un point de vue flexibilité, c'est imbattable. Alors c'est pas une raison pour ne pas travailler l'efficience énergétique, et d'ailleurs on la travaille beaucoup. Ceci dit, je voulais quand même donner un ordre de grandeur. Est-ce que vous savez combien coûte à la SNCF en consommation électrique un Paris-Nice en TGV? Eh bien, c'était 1000 euros il y a 10 ans, c'est peut-être maintenant 1500, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc vous voyez que ce n'est pas des sommes astronomiques. Ceci dit, il y a beaucoup de Paris-Nice à la SNCF, et donc il faut quand même travailler l'efficience énergétique. Et là-dessus, il y a plusieurs leviers. La masse en est un. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, la consommation électrique d'un train suburbain, par exemple, c'est un tiers les pertes de la traction, donc le rendement de la chaîne de traction, un tiers la résistance à l'avancement et un tiers les auxiliaires, la climatisation, l'éclairage, etc. Donc il faut agir sur chacun de ces leviers, et on agit sur chacun de ces leviers. Donc la résistance à l'avancement, on travaille énormément l'aérodynamique des trains, pas seulement pour la grande vitesse, je vous dis, pour un RER, ça rentre pour, ou un train régional, ça rentre quand même pour un tiers de sa consommation électrique, ce qui est quand même énorme. Donc on travaille les carénages de toiture, on travaille les formes de boue avant, etc., etc. On travaille beaucoup aussi l'efficience des chaînes de traction. Il faut savoir que si sur une chaîne de traction, le rendement passe de 90% à 91%, donc un point de rendement en plus, on fait une économie de 4% sur la consommation d'énergie pour la traction. Et ce, évidemment, pour un train qui récupère son énergie en freinage. Et dans ce calcul-là, c'est pour une hypothèse de 60% de régénération électrique. Mais vous voyez donc qu'il y a un bras de levier énorme. Un point de rendement, vous gagnez 4% sur la consommation électrique en traction. Un autre point sur lequel on travaille beaucoup, c'est l'éco-conduite. Pareil, donc faut savoir que sur un métro, entre un conducteur bourrin et un conducteur moins bourrin, on a 15 ou 20% de consommation d'électrique de différence. On travaille beaucoup aussi sur les auxiliaires, la climatisation, de façon à ce qu'elle consomme le moins possible. C'est aujourd'hui le principal poste de consommation énergétique dans les auxiliaires. Et puis on ne travaille pas qu'au niveau des trains, on travaille au niveau des systèmes. Par exemple sur un métro, on fait en sorte de synchroniser dans un environnement proche le départ d'un train en station avec l'arrivée d'un train dans la même station ou dans une station voisine, de façon à ce qu'on soit sûr que le train qui va accélérer pour démarrer puisse bénéficier au maximum de l'énergie qui va être régénérée par le train qui freine en arrivant à la station la même ou celle d'à côté. Donc vous voyez que ce qui est passionnant dans l'efficience énergétique, c'est que c'est un vrai problème système, c'est un problème qui met en jeu toutes les technos sur lequel on a encore beaucoup de choses à gagner. Donc il y a encore un grand potentiel. Là-dessus, Rémi, vous avez peut-être aussi des choses à dire parce que ça nous intéresse aussi. Nous ne serons pas tous des conducteurs ou des conducteurs quotidiens dans le futur. On va peut-être faire de l'autopartage, mais en attendant, ça se passera comment et ça nous frappera comment au niveau du portefeuille?
Alors, vous parlez de l'autopartage ou du... Non, je parle au sens large du terme des économies qui seront réalisées par le biais de conceptions différentes, de matériaux nouveaux, etc., etc. Alors, là, on a beaucoup échangé sur l'empreinte carbone. Donc, la FISITA que je représente, qui est donc une fédération de sociétés d'ingénieurs, a publié au mois de septembre un document qui nous a pris un peu moins de 2 ans à construire sur la question qui était être neutre en carbone pour l'automobile. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Et en fait, ça nous a permis quand même de voir qu'il y avait quelques idées reçues qu'il fallait, qu'il fallait éliminer. En fait, l'empreinte carbone, il y a l'usage, donc c'est la consommation de carburant, mais il faut quand même fabriquer l'objet. Donc ça demande aussi de l'énergie et donc une empreinte carbone. Et une fois qu'il a fini sa vie, il faut le désassembler. Donc il faut bien considérer l'ensemble du cycle de vie. Et puis deuxièmement, le type d'énergie qu'on va utiliser a sa propre empreinte carbone. Donc le pétrole, là, c'est facile à trouver. L'électrification a plein de mérites, mais dépend de l'intensité carbone de la production électrique. Et en fait, quand on a fait l'exercice, on s'est rendu aujourd'hui une voiture sur l'ensemble de son cycle de vie, en moyenne, elle envoie 80 tonnes de CO2 sur toute sa vie. Et bien, ce qu'on a étudié, on a montré qu'en mettant absolument tout ce qui est imaginable et possible, on pourrait descendre à 1 tonne. Et il faut vraiment s'en occuper. Mais à 0, ce n'est pas possible. Physiquement, ce n'est pas possible. Donc la neutralité carbone nette est impossible. Ça signifie qu'en fait, il faudrait qu'il y ait des compensations. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire tout le trajet de 80 tonnes à 1 tonne, mais il ne faut pas promettre le zéro. Ça, celui-là, il n'est pas possible. Après, ce qu'on a aussi montré, c'est que le parc qui roule est 20 fois plus important que le marché annuel. C'est-à-dire que si on s'occupe que des véhicules neufs qu'on va mettre dans le circuit, on est sûr de passer à côté du sujet. Il faut le faire, mais il faut aussi s'occuper du parc qui roule. Et ce qu'on a montré, c'est qu'en travaillant sur un peu les mêmes leviers que vous avez évoqués, hein, donc il y a, est-ce qu'on peut ne pas se déplacer? Ça, c'est la première chose. Quand on se déplace, est-ce qu'on peut partager le trajet? Est-ce qu'on peut avoir un usage qui est moins vorace, donc l'éco-conduite en fait partie, mais des pneus bas frottement, des huiles bas frottement en font partie aussi. Et puis des carburants qui soient non fossiles, donc les biocarburants, alors là aussi il faut prendre les carburants bio issus des déchets, et surtout pas ceux à partir des graines qui seront en compétition avec la nourriture soit des humains, soit des animaux. Donc ça peut être de l'huile recyclée, ça peut être aussi de la paille qui est la cellulose qu'on va transformer. Et là, ce qu'on considère, c'est que alors il y a une étude européenne qui a été faite qui montre que ces carburants bio de deuxième génération pourraient se substituer au pétrole pour le transport. Alors avec une marge d'incertitude qui est encore très élevée. Pourrait assurer 15 à 60% du pétrole utilisé. Alors si c'est 15%, il faudra le faire, mais ça ne va quand même pas remplacer suffisamment. Qui pose une autre question, c'est comment allouer ces carburants alternatifs aux modes de transport qui ont le moins d'alternatives. Donc typiquement, je pense que la voiture particulière devrait être la dernière à en bénéficier par rapport à l'avion qui, lui, a quand même plus de mal à se décarboner. Mais là, il faudrait qu'il y ait probablement aussi une puissance publique qui puisse allouer finalement des pourcentages. Donc voilà, je voulais insister un peu là-dessus. Donc c'est important quand même de ne pas regarder que l'usage. Il faut bien prendre l'ensemble du cycle de vie. Et on touche à un autre point là, qui a été beaucoup évoqué autour de ces conférences, qui est la disponibilité des matériaux, notamment des minéraux. Et ce qu'on a pu partager au cours de ces 2 journées, là, c'est qu'on va manquer de cuivre assez vite au train où notre économie mange des minéraux, quoi. Donc de toute façon, que ce soit par la conséquence qui est les émissions de gaz à effet de serre ou... Le recours aux réserves naturelles de la planète,
on va être condamné à trouver le moyen d'assurer cette économie, donc cette mobilité, en ayant moins d'impact. On pourrait peut-être, même si c'est un peu à la marge des sujets dont nous discutons ici, mais après tout, pourquoi pas glisser un mot là-dessus. Que peut-il se passer en termes d'études et de production pour le futur? On sait que, par exemple, Alstom, de ce côté-là, est assez vertueux, puisqu'une grande partie des activités est toujours en France, les usines, les bureaux d'études, même si, quand on vend aux États-Unis ou en Asie, on est bien obligé d'avoir aussi des usines dans ces pays-là. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point-là? Parce que, à titre personnel, pendant 30 ans, j'ai sillonné ce pays pour le compte de mon employeur, le CETIM, et j'ai vu disparaître avec effroi une quantité énorme d'entreprises, des sous-traitants, mais aussi des grands groupes. Et sauf à devenir une espèce de parc d'attractions permanent, avec peut-être une filière tourisme à Polytechnique, mais ça, je ne suis pas certain que c'est ce que nous souhaitions. Donc, on se devrait de garder et d'accroître du savoir-faire. Comment voyez-vous les choses à votre niveau? Oui, ce que je voudrais dire d'abord, en effet, c'est que, en ce qui concerne Alstom, je dirais que 60 ou 80% de ses activités de recherche et développement et d'études sont en France. Les grands centres d'engineering sont en France. Il y a une exception, c'est l'Inde. Parce que de plus en plus, on utilise la force d'engineering de l'Inde et on a des bureaux d'études, tant matériel roulant que signalisation, qui sont très importants. Très important en Inde, puisqu'on doit avoir maintenant, je pense, entre ces deux activités, environ 5000 personnes, engineering et développement en Inde. Dans le ferroviaire, quand on prend un gros contrat à l'export, c'est très rare qu'on ne soit pas obligé de construire une usine localement pour assurer la production. Exemple récent, un énorme contrat qu'on a pris sur des locomotives en Inde, 800 locomotives doubles Bobo en Inde, eh ben, on a créé une usine à Madhepura pour fabriquer ces locomotives. Même chose, on a créé une usine à Sri City, qui est dans le sud de l'Inde, pour des métros. Si vous prenez aussi le gros contrat qu'on a pris en Afrique du Sud, de mémoire, 3600 voitures pour Prasa, qui est la SNCF locale, il y a maintenant une dizaine d'années, c'était pas simplement un contrat de livraison de matériel roulant. Ça s'accompagnait aussi d'une mise en place ou d'une rénovation ou d'une amélioration profonde une création de l'industrie ferroviaire et d'une filière ferroviaire en Afrique du Sud. Et donc on a créé des usines là-bas, on a fait de la formation, on a développé des organes d'engineering. Et donc ça va plus loin que la simple fourniture d'un matériel. Alors maintenant vous dites, ok, mais du coup il y a peut-être des fournisseurs français qui vont mourir parce que, comme on délocalise, on utilise des fournisseurs locaux. Alors, oui, on utilise des fournisseurs locaux, mais souvent on s'arrange pour que ces fournisseurs locaux soient des émanations dans ces pays-là des fournisseurs français. Et c'est quand même souvent ce qui se passe. Si je prends par exemple des grands sous-traitants comme Fevelay chez nous, ou comme Knorr, ils ont compris que s'ils voulaient rester avec nous, il fallait qu'ils créent aussi des prolongements dans ces pays-là. Et même chose d'ailleurs pour les grands partenaires d'engineering, hein, les AK, les Altran, les Segula, etc.
ont créé souvent des antennes dans des pays comme l'Inde ou dans des pays de l'Est, un peu dans la même logique. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le sujet. Dans le domaine de l'automobile. Oui, alors, bon, donc, le domaine de l'automobile, il a, je pense, été un peu dans tout l'état d'esprit que vous avez décrit sur le reste de l'industrie française. Après, on peut citer quelques exemples où il n'y a pas d'obstacle à faire en France. Bon, ce qui est R&D est quand même, pour les deux constructeurs français, là aussi, le barycentre est vraiment la France. Après, en termes de production, il y a un Japonais qui s'appelle Toyota, qui a monté une usine à côté de Valenciennes et qui fabrique des petites voitures. Et comme je pense qu'on voit chaque année qu'ils ne perdent pas d'argent, ils ont sans doute une bonne raison d'y être. Donc il n'y a pas d'obstacle à produire en France. Après, il y a un coût du travail qui est plus élevé que dans d'autres pays. Mais regardez Volkswagen, regardez Wolfsburg. Et on ne peut pas dire que le coût du travail en Allemagne soit le plus compétitif de toute l'Europe. Donc après, ce sont quand même des. Il faut créer tout l'écosystème qui va avec. Il faut que l'usine tourne à fond. On parlait de taux de remplissage des avions ou des trains. Et bien, une usine, pour qu'elle soit performante, c'est pareil. Donc là, je veux dire qu'il faut que l'implantation industrielle soit stratégiquement menée sur plusieurs décennies. Et après, ben, ce sont des choix effectivement d'entreprise. Alors, ce que vous évoquez, par contre, c'est tout le réseau de la supply chain, où là, c'est effectivement très important que ce soit pas simplement le constructeur qui est le final, mais qui s'assure d'avoir toute la supply chain autour qui soit compétente et qui soit impliquée. On voit quand même un mouvement. Il y a eu toute une époque où en France c'était de bon ton de dire que ce qui est moderne c'est les services alors que l'usine il faut arrêter. Et il y avait un patron célèbre qui a dû dire ça. On voit maintenant quand même qu'on se rend compte que pour avoir un peu de souveraineté il faut remettre le curseur un peu plus au milieu, ce qui est faisable, mais oui. Il faut le faire. Alors la question en complément de tout ça, c'est est-ce que nous disposons de l'environnement adapté pour pouvoir disposer des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs. Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut ou bien est-ce que nous avons perdu du terrain à ce niveau-là? Poser la question, c'est un peu y répondre, je crois. On l'a vu dans le secteur énergétique et dans le nucléaire en particulier. Oui, mais alors là, je dirais plus on démarre tard et plus ce sera. Donc, il faut remettre effectivement une dynamique de ce point de vue-là, mais elle est faisable. Il faut pour le coup aussi pour les jeunes leur faire toucher du doigt qu'il y a un avenir possible dans ces métiers-là. Je sais que dans l'automobile, comme on a beaucoup, enfin, on a fait beaucoup de productivité, donc on a réduit énormément nos effectifs. On a longtemps donné un signal qu'il n'y avait pas de, il n'y avait pas de boulot, pas d'emploi. Donc si on redonne un autre signal qui est il y a des emplois très qualifiés, etc., je pense qu'on. Mais il faut réamorcer la pompe et redonner aux jeunes l'envie aussi de rejoindre ces secteurs, je pense. Hein. Le nucléaire, est, si j'ai bien compris, est aussi en pleine période de réexpliquer qu'il y a un avenir, etc. Il faut que les jeunes générations soient informées et motivées pour le faire. Mais c'est faisable. Maintenant, effectivement, il faut un peu de temps. Je peux glisser un petit mot là-dessus. Nicolas connaît bien le sujet. Nous avons constitué une équipe un peu informelle qui s'appelle l'Association pour la grande vitesse et la mobilité du futur, qui est en fait une association constituée d'anciens et de gens en poste, d'Alstom, de la SNCF, de certains sous-traitants, qui, voyant les difficultés qu'il y avait à mener certains chantiers dans le secteur nucléaire, se sont dit « nous ne voulons pas voir la même chose se produire dans le ferroviaire, donc, et dans les outils liés à la mobilité d'ailleurs ».
parce qu'il faut aussi penser à la fertilisation croisée auquel nous croyons beaucoup, c'est-à-dire que les bonnes idées dans une filière peuvent parfois être partiellement transposées dans une autre. Donc cette association existe, regroupe 150 personnes qui petit à petit essayent de constituer des programmes de formation, des usines-écoles, enfin des choses de ce genre. C'est en train de se faire. Je pense que chacun peut trouver des choses à faire, pas seulement en tant que salarié, mais aussi à titre quasiment philanthropique. On vous a pas beaucoup entendu. Moi, je pense que c'est important d'être optimiste, justement, pour les jeunes générations qui peut-être sont bercées par un discours un peu anxiogène et pour qui la décroissance, entre guillemets, serait la meilleure option. Justement, au contraire, c'est important de donner les chiffres, d'essayer de prouver que déjà des choses ont été faites et que forcément la courbe, enfin pour moi, la courbe commence à s'infléchir. Et que justement, c'est maintenant qu'il faut continuer. Et oui, on a besoin de jeunes ingénieurs dans les nouvelles technologies. Je pense que le discours devrait plutôt être porté dans ce sens-là pour inciter les jeunes à se lancer vers des innovations technologiques au mérite, aux vertus prouvées. Voilà, et en même temps, la notion de ces échanges et de ces passerelles, je pense pouvoir en parler parce que j'ai beaucoup travaillé avec Airbus. Je pense que leur montée en cadence d'il y a 10 ou 15 ans, ils ne les auraient pas réalisées aussi bien et aussi facilement s'ils n'avaient pas été cherchés. D'abord, s'ils ne s'étaient pas benchmarkés avec nos constructeurs nationaux, c'est la première chose. Mais en plus, s'il n'avait pas été cherché pas mal d'ingénieurs dans le secteur de l'automobile qu'on a vu arriver dans l'aéronautique de façon tout à fait heureuse. Ça, c'est un fait. Oui, moi, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que ce qui est assez paradoxal quand même, c'est que l'avion, le train, la voiture sont quand même des produits phares et des produits séduisants quand même pour les jeunes. Et paradoxalement, on a quand même du mal à attirer de jeunes ingénieurs dans nos industries. Force est de constater qu'aujourd'hui, il y a une tension sur le recrutement des ingénieurs et qu'on est loin de trouver les quantités et les qualités d'ingénieurs dont on a besoin. Mais je pense que les grandes sociétés comme les nôtres ont aussi peut-être une part de responsabilité. Parce que finalement, les jeunes ingénieurs, quand ils arrivent dans une société, dans une compagnie comme les nôtres, ils arrivent quand même avec une envie d'apprendre, une soif d'apprendre. Et ces jeunes générations, maintenant, sont beaucoup plus exigeantes, à mon avis, dans ce domaine-là. Et elles zappent plus vite. C'est-à-dire que si vous les laissez un, deux ans au même poste, à tort ou à raison, elles estiment au bout des deux ans qu'elles ont fait le tour du sujet, ce qui est généralement pas vrai, ou pas dans la profondeur suffisante, mais toujours est-il qu'elles ont soif d'autre chose, elles ont un appétit pour autre chose. Et donc je pense qu'il faut que nous, les grandes sociétés, on sache répondre à ça, et pour savoir y répondre, je pense qu'il faut que on s'organise pour finalement satisfaire ses appétits et offrir des programmes de découverte et d'approfondissement des techniques pour leur faire sentir qu'ils n'ont pas forcément tout vu au bout de deux ans. Mais c'est un travail important qui n'est pas toujours fait dans les grands groupes parce qu'on n'a pas toujours les moyens de le faire. Et je pense que ça répondrait à une partie du problème. Et puis alors, un autre sujet, c'est le numérique. Parce que les jeunes, maintenant, quand ils arrivent, la génération millénium et tout ça, quand ils arrivent dans une boîte, il faut qu'il y ait beaucoup de numérique. Et ils sont extrêmement à l'aise avec tous ces outils. Donc il faut qu'aussi les grandes entreprises sachent de plus en plus y répondre. Alors, force est de constater, heureusement, que l'évolution vers l'efficacité, la rentabilité et la compétitivité porte aussi naturellement les entreprises à se numériser. Donc ça va aussi dans le bon sens, mais quelquefois pas suffisamment vite. Donc tout ça pour dire que je pense qu'il y a des choses à faire pour répondre à cet appétit et à ce besoin d'évolution, à ce besoin de redécouvrir des choses différentes plus fréquemment que ça n'était le cas peut-être pour les générations passées.
Il y a ça aussi, et puis c'est aussi vrai, je pense, pour les ingénieurs, les techniciens et les ouvriers. Moi, je me souviens de certaines régions de France, je pense en particulier pour avoir beaucoup rayonné à un moment donné dans la Plastic Valley du côté de Yonah, où j'ai vu des entreprises de sous-traitance qui se lamentaient littéralement parce que leurs bons éléments étaient aspirés par la Suisse, très proche, où les salaires étaient infiniment plus élevés et ne parvenaient pas à garder leur monde. C'était une véritable catastrophe. Et ça, alors on trouve quand même des solutions. J'ai connu un ingénieur qui avait monté une entreprise de sous-traitance dans le domaine des outils de fabrication, qui finalement, de guerre lasse, au lieu d'aller draguer dans les lycées professionnels, embaucher, m'avait-il expliqué, des pâtissiers et des charcutiers. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que ce sont des métiers, d'une part, très exigeants et très durs. On travaille quand les autres se reposent ou quand ils font la fête, qui demandent de la précision, malgré tout. Et donc ces gens-là, finalement, moyennant quand même un peu de formation, s'adaptaient et se coulaient dans le moule. Donc c'est la démonstration que finalement, avec un peu de réflexion, on arrive à trouver parfois des solutions assez judicieuses. Au-delà de ça, on a donc vu les évolutions, les perspectives d'évolution. On peut dégager de tout cela un certain optimisme malgré tout. On doit peut-être rester lucide, mais ne pas céder au catastrophisme. C'est vrai que dans certains cas, on se dit « bon, ok, ce soir je rentre, un Valium, un whisky et Netflix ». Non, il reste encore dans ce pays des possibilités, des potentialités. Il faut être des vecteurs d'optimisme et il faut, à sa place, s'efforcer de contribuer à cela. C'est la chose la plus utile qu'on puisse réaliser. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses que vous avez envie de partager par rapport à quel défi énergétique pour la mobilité. On a dit beaucoup de choses à ce stade. Est-ce que vous voyez d'autres points, Laurence ? Alors, je trouve déjà que c'est passionnant d'échanger comme ça dans des domaines que je ne connaissais pas. Hein. Et finalement, oui, on voit qu'on peut se rejoindre. Déjà, c'est important de comprendre les enjeux. Et là, je pense qu'ils ont été clairement posés. Et à partir du moment où le problème est posé, ben, on sait qu'il n'y a que des solutions, hein, bien sûr. Donc, il reste à trouver. Mais oui, moi, c'est déjà échanger, poser des problèmes sans tabou. Communiquer avec le plus grand nombre, c'est ça qui est aussi fondamental pour que l'information circule de façon claire et qu'il n'y ait pas de tabou. Voilà, donc déjà ça c'est un défi. Bien, très bien. Nicolas, autre chose ? Non, je pense qu'on a évoqué pas mal de choses. Moi je dirais que sur la fin de ma carrière chez Alstom, j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets d'efficacité énergétique et j'ai trouvé ça passionnant. Parce que, une fois encore, ça met en œuvre des tas de technologies différentes et c'est un vrai problème système. Et finalement, c'est une somme de différentes améliorations. Et comme on le dit souvent, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et en matière d'énergie, ça me paraît particulièrement vrai. Oui, bon, je pense qu'on a effectivement fait un bon tour d'horizon où je rappelle quand même qu'effectivement, la mobilité, Laurence a évoqué la question de décroissance. La mobilité, c'est ce qui crée de la valeur. Donc après, j'ai cette conviction profonde qu'il faudra vraiment accepter de combiner deux choses qui sont complémentaires. C'est toutes les percées technologiques pour lesquelles les ingénieurs, les chercheurs vont être très précieux, et aussi les comportements. Au niveau des administrations, des États, etc., des entreprises et des citoyens, parce que c'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'il faut le faire.
Il faut là aussi qu'on arrive au niveau de la société à bien articuler donc les progrès dont on peut bénéficier et leur meilleur usage. Donc, et après pour nos jeunes, je pense qu'il y a c'est beaucoup plus utile d'être dans le bateau que d'être à quai. Donc ceux qui veulent avoir un impact sur une planète plus vivable, il vaut mieux qu'ils rejoignent les secteurs qui vont apporter des solutions que de faire des jeux vidéo, je pense. Bien, ben voilà une belle façon de conclure ce débat. On peut peut-être éventuellement prendre quelques questions. Merci pour cette discussion. Est-ce qu'on peut penser baliser les rails avec la photovoltaïque pour produire de l'électricité pour être un peu plus en autonome, en fait? C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué, en tout cas, le photovoltaïque. Sur les trains, c'est ça? Vous voulez dire mettre des panneaux photovoltaïques sur les trains? Pas sur les trains, mais sur les voies, aux côtés. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire utiliser les infrastructures ferroviaires ouais. Ou les emprises foncières pour mettre des panneaux photovoltaïques. Pourquoi pas? D'ailleurs, il me semble que la SNCF... s'en préoccupe, et non seulement s'en préoccupe, mais a lancé de mémoire des programmes d'équipement photovoltaïque. Alors non seulement de certaines de ces infrastructures, et notamment des toitures de ces infrastructures, mais aussi, je crois, au sol, sur des terrains qui lui appartiennent. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais de mémoire, c'est... je crois que c'est 10 000 hectares ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est quelque chose de significatif. Donc la réponse, c'est oui, ça existe. Enfin, en tout cas, c'est en cours. Je n'ai pas en tête d'implantation qui soit déjà effective, mais c'est quelque chose auquel on a songé. En revanche, sur les trains, c'est plus compliqué. Là-dessus, il y a un sujet qui est en plus qu'en cours d'activité, c'est d'équiper dans le sud-est du côté de Nîmes une gare avec des panneaux photovoltaïques permettant de créer de l'hydrogène qui serait mis en œuvre dans des vélos à hydrogène de conception toulousaine, avec l'idée en fait de pouvoir ainsi traiter le dernier kilomètre. C'est plus qu'avancé, il y a des prototypes de vélos qui roulent déjà, le tout étant que ce serait à ce moment-là extrêmement vertueux, puisque l'hydrogène, ce serait par le biais de la photosynthèse qu'on l'obtiendrait, et qu'il y aurait une espèce de boucle d'une grande efficacité et d'une grande élégance. Autre question ? J'avais posé à Monsieur Bastien, mais je repose ma question, l'intérêt du transport fluvial. Parce que je crois qu'il y a des pays comme en Allemagne où c'est pas mal développé, et pas en France, mais si j'ai bien compris, on n'a pas tout à fait ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Parce que voir tous ces camions qui suivent, c'est quand même un peu énervant. Il y a le grand projet Canal Seine-Nord qui est quand même lancé maintenant. Et de mémoire, c'est 104 km pour faire la jonction entre l'Oise et l'Escaut, si ma mémoire est bonne. Alors, vous allez me dire, c'est une goutte d'eau, sans jeu de mots, mais c'est quand même déjà ça. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que VNF réfléchit à des solutions de piles à combustible pour ces bateaux, je ne sais pas comment on a, ces barges. Et ça verra peut-être le jour, pourquoi pas. Ça paraît pas idiot sur le plan technique, d'avoir de l'hydrogène à bord avec des piles à combustible pour être plus écologique, en tout cas en émissions. Puisque vous savez que dans nos trains à hydrogène, un train à hydrogène, c'est zéro émission. Ça ne rejette que de la vapeur d'eau condensée. Bon, ceci dit, il y a aussi il faut que l'hydrogène soit bien propre. Mais vous savez qu'il y a pas mal de solutions pour faire de l'hydrogène, non peut-être pas vert, mais décarboné. Notamment, le nucléaire permet de faire de l'hydrogène décarboné. Donc
Effectivement, je me souviens bien de la question. Mais donc, ce qui semble quand même être très, très adapté, c'est tout ce qui est vraquier, hein, tout ce qui est du vrac. Là, le fluvial est quand même pas mal utilisé. Mais oui, il y a un potentiel, vous avez tout à fait raison, qui est encore sous-employé. J'aurais une petite question sur la maintenance de l'infrastructure et les dépenses d'énergie qu'on pourrait avoir pour justement que ça soit que l'infrastructure dans l'avenir puisse être maintenue. On voit que on va manquer de cuivre et puis avec les problèmes climatiques. Moi, cet été, j'ai pris le train. Il y avait des problèmes de dilatation des rails. Il y a eu des problèmes de caténaires. Il y a eu ce genre de choses. Donc, je me pose la question sur l'infrastructure. L'infrastructure ferroviaire, vous voulez dire ? En général, pour le transport, la mobilité, en général. Qu'est-ce qu'on peut faire sur l'infrastructure ? C'est ça, votre question ? Au niveau des dépenses énergétiques et le fait de maintenir l'infrastructure de manière correcte. Et est-ce que c'est un enjeu, en fait, sur la mobilité ? L'infrastructure, oui, est un enjeu fort sur la mobilité en termes de capacité. Tout ce que j'ai dit sur la signalisation, l'augmentation de la capacité des lignes à grande vitesse par l'amélioration du système de signalisation, ça en fait partie. Maintenant, c'est vrai que la caténaire, elle a un gros défaut, c'est que quand elle se casse, il n'y a plus rien, ça c'est clair. Ceci dit, il n'y a pas autant d'incidents de caténaires que ça. Il y en a, hein. Et la SNCF est évidemment la première à en souffrir, les voyageurs aussi. Mais c'est quand même pas extrêmement fréquent. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en train de développer des systèmes de surveillance de points faibles des caténaires qui sont à base optique et qui sont installés sur les trains et donc qui permettent de détecter en avance, normalement, des points de faiblesse de la caténaire. Mais ça ne remplacera, ça n'ira pas contre les tempêtes et les arbres qui tombent sur les caténaires. Pour le transport routier, un ordre de grandeur, hein, l'empreinte carbone de la maintenance du réseau routier, puisque à part l'autoroute A69 dont on parle beaucoup, on est quand même plus dans la maintenance. L'ordre de grandeur que vous pouvez avoir, c'est moins de 2% de l'empreinte carbone de l'usage des routes. Donc c'est pas un gros poste. Je voudrais que nous applaudissions et remercions très chaleureusement les distingués débatteurs de ce jour et nous clôturerons ainsi le débat de cet après-midi. Merci beaucoup.